le travail d'un chercheur, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que la recherche, c'est bien sûr une affaire de compétences techniques, de questionnement, de rigueur, mais c'est aussi beaucoup une affaire de relations humaines. Je peux dire que c'est aussi un second grand bonheur. Le premier grand bonheur du chercheur, c'est de trouver, bien sûr. Mais le second grand bonheur, c'est aussi de se trouver dans un cadre social de la recherche où on va pouvoir partager, identifier les connaissances des uns et des autres et se dire « ça, c'est génial, lui, il a su faire ».